lavar louça em francês. Activez votre français et venez avec moi. Bon, première étape. Vous devez mettre la vaisselle sale dans l'évier. Ça, c'est l'évier, le robinet, la vaisselle. Vous allez prendre une éponge, mettre du savon liquide ou du lave-vaisselle, ouvrir le robinet, mouiller votre éponge et vous allez frotter. Vous lavez d'un côté, de l'autre et vous rincez. Je n'ai pas besoin de gaspiller de l'eau, donc je peux fermer. Je vais mettre l'assiette dans l'égouttoir et je vais laver la cuillère. Alors, je frotte bien. Hop, je vais laver les autres couverts, le couteau, la fourchette, la poêle. Et maintenant, je peux rincer. Je vais ouvrir de nouveau le robinet. Je rince. Rincer, ça signifie enlever le savon. Et je mets dans l'égouttoir. Je ferme l'eau. Et je mets dans l'égouttoir. Maintenant, pour laver un verre, je remets du savon. Avant tout, je vais laver mon éponge. Je remets du savon. Je vais bien laver à l'intérieur, à l'extérieur. Deuxième verre. Je le lave. Une petite tasse. Je la lave à l'intérieur et à l'extérieur. Un petit bol. La même chose. Et finalement, pour terminer, une petite assiette. D'ailleurs, si vous voulez connaître plus de vocabulaire en français de cuisine, vous pouvez aller voir une autre vidéo que j'ai déjà faite. Et voilà, je rince. Je mets sur l'égouttoir. Et voilà. Tout est lavé. Pour terminer, j'enlève le savon de ma main, de mes mains. Et c'est fini. La vaisselle est bien lavée. Voilà. Merci beaucoup et à la prochaine. Esse vídeo eu vou dedicar especialmente para alguém que deve adorar lavar louça. É para o meu aluno Márcio Yamazaki. Tenho certeza que você adora lavar louça, Márcio. Alors voilà, maintenant, prochaine fois, as próximas vezes, quando vocês forem lavar louça, vocês podem pensar em todas as ações em francês. Merci beaucoup e à la prochaine. Tchau, tchau. Se inscreva no meu canal e não esquece de ativar o sininho para receber absolutamente tudo do Avec Elisa e mergulhar de vez na língua e na cultura francesa. C'est parti? Allez, venez!